Bonjour et bienvenue dans ce tuto vous indiquant comment modifier votre mot de passe. PicUp va désormais vous imposer de mettre ou de modifier votre mot de passe existant lors de votre connexion. Pour Isagri, la sécurité de vos données est très importante. C'est pourquoi vous serez obligé de mettre à jour le mot de passe au moins une fois par an, afin d'être le plus protégé possible contre d'éventuelles attaques ou vols de mot de passe. Cette obligation est liée au règlement RGPD qui impose aux entreprises de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger vos données. Le programme vous avertira lorsque vous devrez le changer, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire dès à présent. Avant d'effectuer toute modification, il est important de synchroniser vos données si vous disposez de l'application mobile. Pour créer ou modifier votre mot de passe, il vous suffit d'aller dans « Options »,« Changer mot de passe ». Si vous n'avez pas encore de mot de passe, laissez la case « Ancien mot de passe » vide et renseignez un nouveau mot de passe. Si vous avez déjà un mot de passe, renseignez-le dans la zone « Ancien mot de passe », puis créez votre nouveau mot de passe. Celui-ci devra contenir au minimum 8 caractères, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Une fois renseigné, faites OK. Le mot de passe sera alors changé. Si vous avez oublié le mot de passe actuel, lors de l'ouverture de l'application, cliquez sur « Mot de passe » ou « Identifiant oublié ». Renseignez une adresse mail, puis cliquez sur « OK ». L'application vous demandera de confirmer celle-ci. Un email contenant un nouveau mot de passe temporaire vous sera alors envoyé. Connectez-vous à PicUp avec ce mot de passe temporaire, puis allez dans « Options « Changer mot de passe » afin de modifier celui-ci. Pour les équipés du module smartphone, une fois le mot de passe modifié sur votre application de bureau, faites une synchronisation de votre mobile, puis renseignez votre nouveau mot de passe. N'oubliez pas de cliquer sur « Se souvenir du mot de passe » afin de ne pas avoir à le saisir à chaque connexion.